Pain sous les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui, je vais filmer une petite vidéo que j'aime beaucoup filmer chaque été. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste mon truc, quoi. Tout ce qui est en rapport avec la peau, soins, etc. J'adore ça. Alors aujourd'hui, je vais parler, de l'épilation. J'aime bien refaire cette vidéo chaque fois, en fait, parce que des fois, j'apprends de nouveaux trucs. Et puis, il y a des trucs que j'ai conseillés que je ne conseille plus aujourd'hui. Ou, je sais pas, en chopant de l'information par-ci, par-là, et en essayant, et en grandissant, il y a des trucs qu'on n'utilise plus, et machin. Bref. Alors, cette vidéo s'adresse, bien sûr, aux personnes qui s'épilent. Vous n'êtes pas obligé de vous épiler, ok? Moi, je parle uniquement des personnes qui veulent s'épiler. Mais sinon, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Je fais ce disclaimer-là parce que je sais que le fait de s'épiler ou non ne définit en aucun cas, n'affecte en aucun cas votre féminité et n'affecte en aucun cas le fait d'être féministe ou non, d'être, je sais pas moi, brainwashé par la société ou non, je ne sais quoi. C'est juste une préférence, ok. On va aborder l'épilation du maillot parce que je sais que voilà, les autres parties du corps c'est un peu moins délicat, un peu moins difficile, etc. Et je sais aussi que tout le monde va être sucré, pimenté, mielé et pour l'été vraiment snatch. Les gars, aujourd'hui qu'en est-il? Alors au départ, comme je vous ai dit, je me faisais épiler en fait par des jumelles qui avaient leur petit institut de beauté, etc. J'allais chez elles, mais tout le temps, l'épilation nickel. Et non, en plus elles étaient trop gentilles. Et ensuite, cet institut-là, comme je vous ai dit, l'été passé, a disparu. Comment je voulais pleurer. Déjà ça, déjà, en fait il y avait deux trucs. Déjà un, je vais devoir me débrouiller pour trouver autre chose. Et numéro deux, je me suis dit, c'est chiné que oui. Donc ça, vraiment, ça a tout bruxé, vraiment que je vais montrer mon vagin. Hein? C'est Gloria, quoi. Franchement, si c'est votre première fois, je vais vous rassurer, les esthéticiennes, elles en voient, mais tellement qui passent devant elles. Franchement, il faut pas être gênée, ok? C'est genre, elles en voient des petites, elles en voient des longues, elles en voient des chargées, elles en voient des costes, des musclés. Non, je... Oh, Seigneur! C'est juste pour vous mettre un peu à l'aise, mais voilà, c'est un peu comme le gynécologue, quoi. Elles en voient à longueur de journée. Vous êtes vraiment le numéro 315, ok? C'est un vagin, c'est naturel, et elles en ont un elles-mêmes, ok? Mademoiselle Gloria a eu une une idée, vraiment, un exploit. Se raser. Moi, personnellement, c'est mort, ok? Le rasoir, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Donc la première fois que je l'ai fait avec un rasoir, bref, je vais pas tout vous répéter, tout ça, mais c'est juste pour... J'aime bien parler, ok? J'aime bien parler. J'étais là avec mon rasoir et tout ça, en train de le raser, genre... Et trois jours plus tard, les gars... Pas parce que je m'étais coupée ni quoi que ce soit, en fait c'était les repousses. Et le truc qu'il faut pas faire, en fait, c'est se raser. Pourquoi? Parce que vos poils seront beaucoup plus épais et beaucoup plus piquants comme ça. Ah, oh, ça me... C'est genre ça piquait comme si on prenait des aiguilles et qu'on faisait ça. Littéralement, il y a des personnes qui se rasent comme ça, elles sont bien, genre même quelques jours après et tout ça, elles tapent leur maillot là vraiment feu. Je me dis, ah non, ça doit être moi. Ça c'est vraiment quand je le faisais comme une bourrine. Ensuite j'ai appris à le faire et ça allait un tout petit peu mieux. J'en ai fait une vidéo, voilà, si vous voulez tous les petits conseils par rapport au fait de se raser, allez voir le lien en barre d'infos. Si vous voulez vous raser, prenez un très très bon rasoir, mais même avec ça, les poils deviennent plus épais. Ça vous laisse des traces pas possibles parce que, voilà, avec l'irritation, je me suis dit le rasoir, c'est mort, plus jamais. J'ai mis la crème dépilatoire, j'ai vu à quel point ça enlevait de manière lisse. Je me suis dit non, on dirait vraiment le crâne de quelqu'un, vraiment glace de patinoire, c'était lisse. Just got faded.
J'ai vu ça, je me suis dit, je vais faire ça tout le temps et machin, machin. Et j'envoie ma pote, ouais, j'ai utilisé ça, il faut trop que tu utilises ça. Elle m'a dit, Gloria, c'est la pire erreur de toute ta vie. 3 jours plus tard. I was finished. I collapsed. Tellement ça piquait. Non, j'ai souffert. Moi, j'étais avec des potes, j'avançais. Comme ils sont, vous voyez, comme c'est des gars, on peut pas vraiment dire ce genre de choses et machin. Des fois, quand ça piquait dur, ça piquait vraiment comme si j'étais assis sur un cactus. Les gars, à ce point-là, j'avançais et tout ça. Des fois, je stoppais un peu. Des fois, je tape des scies. Tu vois, comme quand tu t'as envie de gratter ta perruque, mais tu veux pas gratter, tu tapes des scies. 2 pas, puis je m'arrête. 2 pas, puis je m'arrête. Mes potes me regardaient en mode ouais, Gloria, ça va et tout. Là. Je dis, j'ai mal aux jambes. J'ai mal aux jambes. Parce que tu peux pas dire que c'est l'épilation là que t'as rapide. Donc j'avançais un peu, ma jambe. Puis je tape ici, ma jambe. Quand je vous l'ai dit, si vous pouvez laisser cette zone là tranquille et que vous ne voulez pas vous épiler, fais ta vie, girl. Fais ta vie, vraiment vie ta plus belle vie. Donc ce que je faisais au départ en fait chez donc, les jumelles, là, chez les esthéticiennes, c'était du sugaring. Donc c'est en gros avec du sucre et du miel. Et voilà, c'était doux, c'était parfait. Oh mon dieu, c'était parfait. Je sais pas pourquoi elles sont parties, mais elles sont parties. J'ai dû les laisser. Vraiment, j'ai fait mon deuil. Ensuite, j'ai été chez une autre esthéticienne. Elle fait ça super bien. Pas la cire orientale par contre, pour le maillot intégral. Elle fait ça bien. Elle fait ça bien. Elle retire tout, même avec le bulbe et tout ça. C'est genre, elle fait ça super bien. Et donc les repousses, comment ça se passe? Du coup, ça se passe beaucoup mieux, mais vraiment genre beaucoup mieux. Ça m'a quand même causé des petits boutons. Je vais d'office retourner à l'épilation sucre miel et voilà, mais je vais devoir chercher qui est-ce qui fait ça. Si vous en avez à recommander, ben écrivez ça en barre d'infos, comme ça on s'entraide, etc. Machin, c'est pas grave, ok? C'est pas grave si la même personne qui voit ton vagin voit mon vagin aussi, ok? On est tous ensemble. Et je vais vous dire ce qui m'aide vraiment beaucoup. Il y a genre 10% de gratouille là, mais ça va beaucoup mieux. J'arrive à me déplacer. C'est genre, hé les gars, je vous jure que c'était vraiment un fardeau quoi. Littéralement, j'arrivais pas à me déplacer. C'était un handicap, frère. Ça gratte extrêmement en fait. C'est genre limite, je peux rien faire. Je reste dans mon lit. Je souffre. Je suis vraiment dans l'agonie quand j'ai des repousses. Qu'est-ce que je fais? Bah, comme d'habitude, comme je vous ai dit dans mon ancienne vidéo, je prends ma douche, etc. Je fais tout ce que j'ai à faire et ensuite je me consacre à mon pubis. Avant, je faisais genre 2 fois à 3 fois par semaine, mais là c'est chaque jour. Pourquoi? Parce que à cause de tout ce que je mets au-dessus tous les jours pendant ma douche, j'utilise bien sûr mon savon noir pour tout mon corps. Des fois, je l'utilise pas, j'utilise autre chose. Mais si jamais vous êtes une personne qui a la peau plutôt sèche, etc., et que vous dites ok, non, moi le savon noir, je peux pas l'utiliser tous les jours pour faire la douche, prenez au moins le savon noir pour votre pubis uniquement, ok? Moi personnellement, ça me dérange pas de me laver tous les jours avec le savon noir, j'en ai l'habitude, j'ai grandi avec ça. Si vous utilisez quelque chose comme du sucre, c'est bien, hein, c'est vraiment bien, mais faut faire attention à la pression en fait, sinon vous allez irriter la zone. Non seulement ça va vous griffer, ça peut vous irriter, ça peut causer de l'hyperpigmentation, etc. Ça va permettre à votre hyperpigmentation de ne pas s'empirer. J'en prends un tout petit peu, je vous ai déjà dit comment on utilise le savon noir. Je masse un peu pour que ça mousse et ensuite je passe dessus du haut vers le bas, ok? Pas circulaire ni quoi que ce soit. Ça va les faire pousser n'importe comment, okay? Et là, vous allez voir, même quand vous allez passer votre main, vous allez voir que ça ne pique plus autant. Il y aura peut-être 0,5% de picotis. Et ensuite, je sors de la douche, je prends un petit coton, pas mon essuie. Ça doit rester propre au maximum pour que ça n'affecte pas non plus les boutons que vous avez déjà. Bien séché, hein, pardon. Faut bien sécher en dessous parce que sinon vous aurez des champignons. On n'aime pas les champignons, ok. Et ensuite, premièrement, qu'est-ce que je fais? Je prends le gel d'aloe vera. Rien n'a changé. Mon gel, c'est mon gel. C'est genre, c'est ma vie. Je laisse sécher un peu. Alors, ce qui change par rapport à l'année passée, c'est que je prends de l'huile de coco. J'en mets un peu en toute petite quantité parce que des fois, ça peut un peu boucher les pores et on ne veut pas ça. On ne veut pas aggraver les boutons qu'on a déjà. Si vous n'avez pas de boutons, ben c'est très bien pour vous. Mais même, prenez une toute petite quantité. Je laisse sécher, je fais ma vie, je fais mon make-up, je cherche ma tenue, etc. Et le truc que je rajoute en plus et qui a vraiment changé ma vie, après c'est pas parfait, je dirais que ça me gratte, on va dire à 10%. Donc moi, pour moi c'est déjà génial. C'est le talc. Les gars, oh, le talc, ça m'aide énormément. Et ça, c'est un truc que les gens utilisent
normalement après l'épilation, etc. Mais moi je me suis dit, bon, j'en ai pas besoin, tu vois, j'hydrate bien, j'exfolie bien et tout ça. Et je le partage pour les personnes qui ne le savent pas. Vous voyez, depuis que j'ai découvert le talc, et non, je me sers, mais vraiment. Mais vraiment. Alors, je sais toutes les polémiques négatives qu'il y a sur le talc, comme quoi, voilà, il y en a qui sont cancérigènes, etc. En attendant de trouver quelque chose de plus sain, hein. Mais ça a énormément de sens, en fait, la raison pour laquelle ça fonctionne. Donc, une petite parenthèse. Il est noté derrière le flacon que ça rafraîchit et absorbe l'humidité, surtout dans les plis de la peau. Il protège contre l'irritation, diminue le frottement entre la couche et la peau délicate du bébé. Il contient une goutte d'huile adoucissante pour un bébé bien soigné de la tête aux pieds. Donc, en gros, je savais déjà pourquoi est-ce qu'on mettait ça sur les bébés, sur les fesses des bébés, etc., pour l'humidité. Ou alors aussi, les personnes qui l'utilisent sous les aisselles alternatives, on va dire Odeo, mais j'avais jamais eu l'idée en tête et créé ce lien de barrière, de protection entre votre peau et je sais pas, par exemple votre sous-vêtement, etc. Donc ouais, c'est vraiment fait pour ça. En gros, c'est écrit derrière le flacon et voilà, voilà. Après, je tapote un peu dessus, j'en mets bien vers l'intérieur des cuisses, etc. Pas à l'intérieur, ok, c'est mort. On ne met rien dans le vagin, s'il vous plaît. Juste sur la surface. Je mets mon caleçon. J'ai même mon pantalon, ma jupe ou je ne sais quoi, et je vais faire ma vie. Donc si vous avez des zones foncées, là vous-même vous savez, les femmes de couleur, les femmes noires, des fois il y a des exceptions, etc. Mais voilà, faites attention à l'exfoliation. Utilisez peut-être l'exfoliation chimique, donc peut-être à l'acide salicylique ou l'acide glycolique. Vous voyez les produits en fait qui exfolient la peau là, que vous utilisez aussi pour votre visage. Essayez de ne pas utiliser par exemple le sapin à cet endroit-là parce que c'est quand même abrasif. Le sapin, on l'utilise sur tout le corps, mais pas au niveau des parties intimes, ok. Ça, je le faisais avant, mais maintenant je le fais plus. Donc le savon noir aussi, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de petits grains dedans, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous n'êtes pas dans tout ce qui est chimique, etc., il y a le savon noir. Moi je l'utilise et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il nettoie en profondeur. Ça a des vertus vraiment guérissantes aussi. Alors, je vous en ai déjà parlé. Ne touchez pas cette zone là quand vous avez les mains sales ou quand... Ne touchez juste pas cette zone là, c'est comme votre visage, ok. Vous ne le touchez pas durant la journée. J'utilise de l'aloe vera frais, vraiment la plante. Mais des fois, j'aime aussi utiliser celui en tube. Après, je fais plus confiance, bien sûr, à la plante. Hein, mais il faut bien... Enfin, ça prend un peu plus de temps à préparer, etc. Il faut mettre dans le mixeur et machin pour en faire un gel. Donc, c'est pour ça que des fois, j'utilise celui en tube. Après, bon, est-ce que c'est 100% naturel? Je sais pas trop. Mais j'aime beaucoup cet effet un peu cooling, comme ça. Je sais pas comment on dit cooling, genre un peu refroidissant que ça a. Le gel en tube, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser aussi, parce que ça apaise vraiment beaucoup ma peau. Bref, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Comme je vous l'ai dit, ça a retiré vraiment à 80%, voire 90% les gratouilles. Donc bref, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes dans cette situation, s'il vous plaît papayas, écrivez ça en commentaire, ok. Dites ce que vous utilisez, etc. Et je parle pas de personnes qui se rasent, etc., et qui ont un tout petit peu, genre 10% de gratouilles, parce que ça non, je parle vraiment des personnes chez qui genre ça gratte au point où vous ne pouvez pas faire grand chose, quoi. Si vous avez des petites recettes ou quoi qui fonctionnent, s'il vous plaît, il y a des gens vraiment qui ont tout essayé. Et je mettrai tout ce que j'ai recommandé en barre d'infos pour vous, donc l'huile de coco, le talc que j'utilise, mon savon noir. Mais vous savez, savon noir, le chien de Japonais, on est quelqu'un ici. Donc non, je déconne, mais savon noir bien sûr de chez Japanese, parce qu'on en a. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. Quoi d'autre encore? Ouais, c'est tout, hein. Voilà, bisous bisous les papayas.